Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis pâtissier. Je mesure 5 pieds 6 et je pèse 12 pierres. Bienvenue en Angleterre. J'ai commencé un CAP pâtissier en 2010. Suite à ça, j'ai bougé sur Bordeaux, à l'Institut des Saveurs, CFA. J'ai fait une mention complémentaire. Ensuite, je suis parti en boulangerie. Je voulais toujours en savoir plus. Je suis arrivé dans le restaurant par le biais de mon CFA avec le groupe Destination Europe. On est venu me proposer un stage afin de conclure les études et l'apprentissage. Gavin, c'est un bon chef, beaucoup d'expérience, un bon garçon. Moi, j'aime bien regarder comment il dirige sa cuisine. No chips or salad. How do you feel after 6.5 months? First, I'm feel glad and lucky to be there. I feel good. I think now I'm part of the team. That was a great chance to finish my studies, work in a foreign company. I was expecting that language will be a bit easier to get, like all the words, all the accents from everywhere in the UK. But it's not bad, I train a lot. it's not that bad. But I didn't expect the UK to be as beautiful as it. And I didn't expect people to be that nice. Everywhere in the UK, people are very... generally UK. Yeah, yeah. So that even, was... Even for French, they're generally... Yeah, exactly, especially for French. J'ai rencontré pas mal de gens. On joue au foot ensemble, voir des matchs ensemble. Isaac, c'est un peu mon petit frère anglais. On se ressemble un peu sur pas mal de choses. Ça donne envie de passer du temps avec lui. Depuis que j'ai commencé l'apprentissage, monter mon entreprise, ça a toujours été le but premier. Je mets vraiment du cœur dedans. J'ai vraiment envie de bien faire, vraiment envie de m'appliquer. Une petite boutique sympa, un peu familiale, un peu cette ambiance-là. En faisant des produits très propres, mais l'esprit vraiment familial, donner envie aux gens d'être heureux, quoi. Il faut bien un salaire autre que l'argent, quoi. Il faut bien une motivation.